Voilà, on ne sait pas si le débat McCain-Obama aura lieu ce soir, mais la campagne se poursuit. Et on le sait, aux États-Unis, tous les coups sont permis. Les deux camps attaquent régulièrement l'adversaire par des vidéos compromettantes sur Internet. La dernière montre Sarah Palin, connue pour ses fortes convictions religieuses, bénie par un chasseur de sorcières. Régis Nussbaum. Priez, mes frères, priez pour Sarah. Les images sont diffusées sur le site de partage du vidéo YouTube. La scène remonte à 3 ans, en 2005, pendant une messe pentecôtiste. Dans son sermon, le prêcheur et fondateur de cette église demande à ses fidèles de prier pour celle qui n'a pas encore été élue gouverneur de l'Alaska, avant d'appeler à vaincre la sorcellerie. Au nom de Jésus, vous devez rejeter toute forme de sorcellerie. Au nom de Jésus, sors de ce corps. Tête baissée, entourée par deux membres de la congrégation, Sarah Palin écoute religieusement le sermon. Mon Dieu, ouvrez la voie à Sarah, même dans l'arène politique. Apportez des fonds à sa campagne, au nom de Jésus. Cette bénédiction teintée d'exorcisme a déjà été regardée par des millions d'Américains. Des images qui s'ajoutent à une autre vidéo où l'on pouvait voir et entendre la colistière républicaine parler de la mission divine des soldats américains en Irak. Elle tombe en tout cas au plus mal pour le camp républicain alors que John McCain est en chute libre dans les sondages.